C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick et Julien Perrin, notre chef cette semaine, qui dirige la petite table. C'est à Castillon, dans l'Hérault, pour être très précise. Contrairement à ce qui était annoncé à 19h, donc il n'y a pas de beau droit. Non, il y a un cassoulet, mais sans saucisse et sans canard. C'est ça, on va essayer de le faire végétal. Qu'avec des haricots, mais multicolores. Pour commencer, je rajoute du beurre, parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas assez, chef. On va mettre un petit peu de beurre. J'y vais pour les oignons. Oui, allons-y. J'adore l'odeur des oignons qui reviennent. On va mettre un petit peu le feu. Voilà, ensuite, un petit peu de concentré de tomate. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, ça sent bon, les oignons. La beau droit. On mélange. Je vais se mélanger un petit peu. Et je vais mettre un petit peu de bouillon. Allez-y, mouillez. Et là, on met des haricots. Allez, chef, on mouille. Super, tout est bien mouillé. Voilà, c'est carrément noyé, non? Non, on va les laisser cuire comme ça. Noyer les pétous. Ça sent très très bon. Ça sent bon. Merci, et à tout à l'heure pour le dîner, c'est à vous. Il est médecin, directeur de magazine, auteur de best-seller pour nous inciter à prendre soin de nous et notamment de notre sommeil. Objet du prochain numéro de son magazine sur France 5. Et même quand il chante, il nous explique que c'est bon pour la santé. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. À ses côtés ce soir, un auteur, compositeur, interprète franco-américain qui prouve que le talent se transmet de génération en génération. Plus rien. C'est bizarre. 5 ans après son dernier album, et alors qu'il sera en concert au Grand Rex en première partie lundi, mardi et mercredi prochain, en première partie de Véronique Sanson, Christopher Stills nous présente ce soir son nouveau mini-album de 6 titres. Il est notre invité aux côtés du médecin, chanteur, animateur Michel Simès. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, pas dit, mais montrer ça, c'est vraiment... Ah oui, les gars. Bienvenue. Bonsoir. Merci, si vous allez bien. C'est à vous. Bonsoir. On va parler sommeil avec vous, Michel, tout à l'heure, mais quand je disais que c'était bon pour la santé de chanter, je disais pas n'importe quoi. Non, c'est bon. Bah, tout ce qui vous fait plaisir et qui libère un peu des endorphines, c'est bon. Voilà, et ça peut avoir des effets positifs sur le vieillissement. Surtout. C'est et sur la propreté quand tu chantes sous la douche. J'avais plus rien à rajouter. Il a tout dit. Surtout pour les aigus. Bien en forme. Pourquoi pour les aigus? Bah dans la douche. Voilà. Mais ouais, vous confirmez que c'est bon pour. On vieillit mieux quand on chante? Ah, mais absolument. Absolument. Et dans la douche, dans les salles de bain, il y a toujours le carrelage. Donc il y a un réverb naturel qui se passe. Ah, c'est un bon studio d'enregistrement. Oui, exactement. Exactement. Et les couloirs des escaliers. J'ai l'impression d'être au magazine de la santé il y a très longtemps. Where love is found. Yes. Pardon. Ah oui. Vous n'avez pas fait anglais première, non? Si, Where Love is Found. Ouais, bah attends, voilà, rassemble donc 6 chansons au toc, avant-goût de l'album qui est quasi prêt, qui sortira très prochainement. Mais c'est aussi le titre d'une chanson qui a une histoire un peu particulière. Elle était destinée à une grosse production hollywoodienne, un film avec Hugh Jackman. Ouais. Vous y aviez investi beaucoup de temps, d'énergie. Et la production a changé d'avis, n'a pas utilisé votre chanson, et vous vous êtes dit, c'est trop bête qu'elle reste dans un carton, quoi. Oui, j'ai travaillé longtemps dessus, je me suis bien appliqué, parce que, bon, Hugh Jackman, gros film, et puis, comme beaucoup de fois, ils ont changé d'avis, le metteur en scène, on va prendre un standard, nanana, et j'avais cette chanson, très belle d'ailleurs, et donc je l'ai pris pour moi, voilà. Pour la partager. Voilà. Ces 6 chansons que vous nous présentez ce soir, elles ont été enregistrées en studio en une seule journée, avec tout le groupe, dans une espèce de forme d'urgence, parce que ça faisait 5 ans que vous ne composiez que pour les autres, et là vous vous êtes dit, maintenant faut de nouveau que je bosse un peu pour moi. Ouais, c'était le moment, j'étais parti en fait, j'étais engagé par, je dirais, mon oncle David Crosby, en fait, et j'allais faire sa tournée. Donc c'est marrant parce que pour la première fois, depuis que je suis petit, je suis là à les regarder sur scène et leur dire « Allez, mettez-moi dans votre groupe, s'il vous plaît. Allez, coach, put me in. » Et donc, après toutes ces années, David, il m'a appelé pour lui sa première tournée parce que lui, il sortait de la retraite.
Et il était comme un petit enfant. Il avait son futur devant lui. Il ne pouvait plus jouer de la guitare parce que ses mains lui faisaient trop mal. Mais il arrivait encore à chanter comme un dieu. Et donc, c'est nous qui reprenons toutes ses parties de guitare. Et il avait monté ce groupe. Et puis, malheureusement... Et ça m'a donné un peu cette espèce de coup de foudre. Sa disparition foudre. A été un défi. Oui, ah, c'était dur parce qu'on ne s'y attendait pas. Et pour moi, c'était le petit coup de pouce pour dire, allez, si lui le faisait, vas-y, tu le fais, j'ai rien à perdre. Et on a, effectivement, chez Jim Scott, on est allé pendant une journée à faire ce live avec des musiciens incroyables qui ont fait que c'était possible de le faire comme ça. Voilà. La guitare, ce n'est pas votre instrument d'apprentissage. C'est d'abord derrière un piano que vous vous êtes installé. Mais à 10 ans, un copain, vous avez une guitare entre les mains, vous n'avez plus jamais lâché la guitare. Non. Le piano, c'est un gros truc, il faut y aller. Et là, j'avais un petit truc que je pouvais amener dans ma chambre. Voilà. C'était... Et il y a ce côté personnel. Et pour une raison ou pour une autre, la guitare, ça m'est venu assez facilement. Et j'ai eu quelques petits cours comme ça entre les potes. Il y a des gens qui pensent beaucoup que mon père, il m'a beaucoup montré. Personnellement, mais pas du tout. Je l'ai beaucoup regardé. Ma mère, elle m'a montré les... The bar chords, les accords, voilà, les grilles, un peu une grille comme ça en blues. Elle m'a et c'est à partir de là que j'ai pas arrêté quoi. C'est donc à la guitare qui est derrière vous que vous allez nous interpréter ce soir un extrait de cet album de 6 titres. Ce titre, il s'appelle Say My Last Goodbye. Voilà, le temps que Léo vous apporte. Okay. Quoi ? Il se moque de mon accent. Say my last attends, goodbye. Pardon. J'ai mieux dit, là. Say my last goodbye. Moi, c'est un anglais que je attends. Comprends. Say quand vous my parlez. Last goodbye. Attends, parce que Christopher, là, vous n'êtes pas bien équipé. La corde, voilà, c'est toujours comme ça. Il y a des petits problèmes techniques, mais après, on se réajuste. Je peux aider. Hein, on the fly. Je peux tenir le micro. Voilà, ça va. Oui, alors une petite chanson pour tous ceux qui aimeraient, qui ont des doutes sur pour prendre la route, voilà, tirer un peu de la maison. Donc ça fait. I woke up from a bit of sleep, only to find the dawn. And all the sympathetic lies that are carried inside of my life will come around, will go. Looking up, I watch the sun slowly begin to rise. I put the needle down on the record player, baby, knew that I'd made up my mind. Ooh, I gotta say my last goodbye. In the morning I'll be gone. See, I'm off to live my life, 'cause that's all I can live on. And if I see you down the line, speak of the miles that we put on. This is all I can live on. Fed up with meager ways, guess my heart had to take a turn. And nothing in the world, not even you, baby's gonna keep me from feeling it burn. But deep down I can feel the pain about leaving you all behind. Promise I'll make is that there's no other way for me to keep my dreams alive. Oh yeah. Ooh, I gotta say my last goodbye. In the morning I'll be gone. See, I'm off to live my life, 'cause it's all I can live on. And if I see you down the line, speak of the miles that we put on. I can live on and hide from the rush. Forgive me if I seem blind to anyone who might hold a grudge for leaving them behind. Maybe one day down the road I'll see you on the other side. But when that day comes, you might just know why I said my last goodbye. Ça, c'est une des chansons qu'on pourra attendre au Café de la Danse où vous serez en concert le 29 avril prochain. Votre éclectisme musical qu'on vient d'apprécier ne tombe pas du ciel. Vous avez parlé tout à l'heure de vos parents, de la façon dont vous les avez
observer. Évidemment, Véronique Sanson, Stephen Stills, on les voit là à l'image. Et on va voir une petite vidéo où ils parlent de leur rencontre, parce que cette rencontre en 72, elle fait partie un peu de la légende de la musique. Vous les voici tous les deux, 6 ans plus tard, devant une caméra de TF1. Regardez. Nous nous sommes rencontrés devant l'immeuble d'une compagnie aérienne. Je m'en souviendrai toujours. Et je lui ai dit, viens, il faut s'en aller d'ici. Et je l'ai fait traverser les Champs-Élysées avec des milliards de voitures. Et arrivé de l'autre côté, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je l'ai planté sur les Champs-Élysées et j'ai fui en courant. Vous l'avez retrouvé depuis? Oui, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé un an après. Un an après, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Véronique Sanson à ce moment-là était avec Michel Berger. Il y a eu une rencontre en marge d'un concert où elle va voir Crosby, Stills, Nash & Young. Coup de foudre, elle quitte Berger un an plus tard en disant qu'elle va chercher des cigarettes. Et puis après, elle revient jamais, elle part à New York et ils se marient en 73. C'est quand même une histoire assez extraordinaire. Véronique est toujours là. Admirative de son ancien mari et de vous-même comme étant, elle a dit une fois, je crois que vous êtes les deux meilleurs musiciens qu'elle connaisse. Ah oui, elle est gentille. Elle est gentille. Je sais qu'elle est fan depuis toujours de mon père, de Steven. Et puis pour moi, comme une bonne maman qui que son fils, moi j'aurais pu aller faire du foot, elle aurait dit pareil. Mais là, du coup, je suis un peu tombé dans la marmite de la musique. Et puis, elle vous appelle Titou. Ouais. Ça, c'est pour les intimes, mais que en France, aux États-Unis, Titou, ça sonne pas pareil. Elle est admirative, mais en tout cas, vous savez qu'une chanson est prête lorsque vous avez le courage de la jouer devant votre mère. Oui. Ça en dit long quand même. Elle est prête quand le studio est booké et puis tu te retrouves, 1, 2, 3, partez. Mais oui, c'est vrai que elle me fait pas de cadeaux. Hein. Elle m'a jamais fait de cadeaux. Et d'ailleurs, moi, quand je chante, je projette beaucoup. Je crois que ça vient du fait que quand j'étais petit, je lui ai amené mes chansons comme ça, et puis je chantais comme ça, tout petit, parce que j'avais peur, et c'est la première fois. Elle me disait, mais allez plus fort, je t'entends pas, comme ça. Et en fait, voilà, et donc j'ai dit, finalement, ça m'a agacé, j'ai dit, d'accord, et voilà, et je faisais partir, et donc j'ai dit, là, c'est ça. Voilà. C'est ça que vous faites avec vos deux filles maintenant, plus fort, on ne t'entend pas, parce qu'on sait que vous essayez de leur transmettre aussi la musique, en tout cas de les familiariser au grand classique du rock'n'roll, comme là avec ZZ Top. Go. C'est génial, tu veux dire. Moi, ça. Alors là, je suis choqué. C'est un de mes clips préférés de mes enfants. Ils sont dans le temps. Ah oui. Ah, mais ils jouent comme des bêtes, ouais. Déjà. Et ils venaient d'apprendre ça à l'école. Et il se trouve que c'était dans la bonne tonne. Et ils se sont mis. Et je me suis mis à filmer. J'ai dit, attendez, les enfants. Alors, je crois que je vais me faire gronder pour filmer et grandir en même temps. C'est pas bien, les enfants, faites pas ça. Une mère et son fils, c'est quelque chose. Un père et ses filles, c'est autre chose. Moi, c'est plus difficile pour moi de leur dire. Pourquoi? Oui, papa, non, ils ont vraiment leur propre truc. Je ne pouvais jamais les pousser à faire du piano. Je pouvais suggérer, mais si j'allais trop fort, c'était... Moi, je fais autre chose, mais ils le font quand même. Justement, quand on a des parents pareils, il y a deux façons de réagir. Ou on se dit surtout, je ne ferai jamais la même chose parce que j'ai une pression terrible, en plus avec qui sont vos parents, une pression terrible en disant je vais faire toute autre chose pour qu'on arrête de me comparer à mes parents toute ma vie. Sinon, on fait ce que vous avez fait, c'est-à-dire... On fait le même métier parce qu'on baigne dans la musique depuis le début. Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes demandé s'il fallait y aller ou pas? Si, à un moment donné, vous vouliez devenir boulanger dans le sud de la France. Oui, parce que c'est dur, parce que ce métier, il ne fait pas de cadeaux. Que tu sois le fils d'eux ou pas, ou la fille d'eux, c'est,
Bon, voilà, je ne vais pas en faire tout un truc, mais on a tous... La musique, dans la vie, sur Terre, sur cette planète bleue qui est au milieu de nulle part, c'est un truc dont on partage tous, que tu sois africain, néo-zélandais, voilà. C'est un langage qui est universel. Et c'est ça. Et moi, je ne pouvais pas me lasser de ça. J'ai toujours... Et de voir tellement de magie sur scène, mais vraiment des... Et je voyais le public, et que ce soit mes parents ou pas. Voilà, c'est ça l'hameçon que j'ai pris. Where love is found. Yeah. Where love is found. Perfect. Where love is found. My last goodbye. Ça, c'est 6 titres avant l'album qui est très vite à venir. Le 29 avril, on peut vous applaudir au Café de la Danse. Et sinon, lundi, mardi, mercredi prochain, au Grand Rex. Avant que Véronique Sanson arrive sur scène, on pourra entendre la musique de Christopher Stills. Oui, absolument. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir notre invitation. Dans un instant, on vous présente une femme formidable qui devient à 98 ans la vedette d'un film de cinéma. Eh oui, elle s'appelle Fleurette. Mais d'ici là, les radoteurs, Stéphane De Groot, Gilles Gaston-Dreyfus. Je ne veux pas vous déranger, vous êtes en pleine lecture. Bonjour Gilles. Bonjour Stéphane. Non, non. Est-ce que vous faites partie de ces comédiens? Vous savez, on dit toujours, ils nous feraient rire en lisant le boîtier téléphonique. Moi, je crois que j'ai pas ce talent-là. Il y a des comédiens qui étaient comme ça. Claude Pieplu. Claude Pieplu qui faisait aussi les... Le Shadok. Oui, Claude Pieplu. Et pour le dictionnaire, c'est pareil. Mais il n'y a pas l'expression lire le dictionnaire et rire comme un Pieplu. Mais ça pourrait être un terme générique maintenant, rire comme un Pieplu. C'est drôle le nom Pieplu. Est-ce que c'était son vrai nom? Et peut-être que quand il était petit, il nageait et puis à un moment donné, il n'y avait plus pied et il dit tiens, plus tard, je vais m'appeler Pieplu. Puis il disait Pieplu, Pieplu. Ou alors il marche sous le soleil. Parce qu'il ne pleut plus. Oui, ou alors il mangeait du pied de porc. Du pied de porc. Il n'y en a plus. Puis pied. Oui, plus pied. Il a enlevé porc, parce que ce n'est pas très joli. Quoi si, il y avait les bateaux, tout ça, Anvers. Oh là là, il ne faut pas toucher à Anvers. Et elle viendrait d'où, Claude? Il y avait une mère maquerelle qui s'appelait Claude, ça vient peut-être de là. Ou Claude François. Alors peut-être que sa mère s'appelait Françoise et lui s'est appelé Claude. Voilà, Claude, Aude. Claude. Claude. Oh, jolie poupée. Peut-être qu'il voulait une fille et puis ils ont eu un garçon, il l'a appelé Claude. Et alors comment s'appelait ce comédien qui se sautait tout le temps? Oui. Avec des cheveux bouclés. Pourquoi vous dites oui comme oui, si vous non, le saviez parce que le type, les fables de La Fontaine, là, c'est ça? Non, les fables à l'envers. Vous arrivez à le faire, ça? Quand j'étais petit, je le faisais pour m'amuser. Ben, vous n'êtes pas plus grand, donc allez-y. Mais je ne sais pas. Mais vous voyez de qui on parle? De Pierre Perret? Pierre Rep. Pierre Rep, oui, je connais. Le Zizi. Monsieur Gaston-Dreyfus, Gilles. Le Zizi, c'est plutôt Pierre Perret. Oui, c'est pour ça. Qu'est-ce que je fais de ça? Parce que vous partez avec ça? Non, je ne pars pas avec ça, parce que le type, il va me prendre pour un fou que je suis arrivé avec mon dictionnaire. Au revoir, Gilles, hein. Je me suis emmêlé les pinceaux, j'ai oublié l'œil de Pierre. Pardon, Pierre. Je vais vous parler musique, puisqu'on est en 69 et Claude Sautet a presque terminé le film Les choses de la vie. Il décide alors de confier la musique du film à un jeune compositeur de 20 ans qui s'appelle Philippe Sard. Avant qu'il vienne, j'avais lu le résumé du film qu'il avait tourné. Ça m'a donné l'idée du thème des choses de la vie. Et je me suis assis au piano et je lui ai dit, écoutez, j'ai pensé à quelque chose pour votre film. Je lui ai joué et je me suis retourné vers lui et j'ai vu un homme en larmes. Et Claude m'a dit, je vous organise une projection, vous venez voir le film. C'est exactement ce que j'attendais. Le soir de l'avant-première des choses de la vie, à 20h30, personne ne connaissait Philippe Sard. À 22h, tous les metteurs en scène voulaient travailler avec lui. La fameuse chanson d'Hélène n'a pas été inclue par Sautet dans le film, mais Romy et Michel Piccoli ont tout de même enregistré un 45 tours. Alors que Philippe Sard célèbre à travers un coffret de 6 CD 50 ans de cinéma et de musique de film, Myrtille Serre l'a retrouvé évidemment dans une salle de cinéma. Philippe Sard, enfant, hésitait entre musicien et cinéaste. Son talent multiple lui a permis d'être un metteur en scène de la musique de film. Ça a été complètement
en moi quelque chose de, d'indissociable. C'est-à-dire d'accompagner, pas l'image, mais d'accompagner le non-dit de l'image. Le cinéaste rentré que je suis s'est exprimé à travers la musique et a mis en scène la musique comme on met en scène un film. Le 4 avril dernier, dans les studios de Radio France, l'Orchestre National de France, sous la direction de Mei Han Chen, a parcouru quelques-unes des grandes œuvres de Philippe Sard. J'ai pu me rendre compte que la musique fonctionnerait sans les images. Et j'en avais très, très peur de ça. Ça a été un grand trac pour moi. Ce magnifique concert, qui a eu énormément de succès, j'en ai les larmes aux yeux encore. Et ce concert auquel vous assistiez, Patrick, on peut encore le trouver, on peut l'écouter sur la plateforme de France Musique. C'est une merveille. Et c'est merveille. Une merveille. 75 musiciens, les musiciens de Radio France, plus des invités de jazz pour jouer un morceau comme Flic ou Voyou, par exemple, qui mêle le classique et le jazz. C'est une merveille absolue. Sautet, Lautner, Téchinet, Tavernier et tant d'autres, Philippe Sard a composé plus de 250 musiques de films en 50 ans. Lui qui se rêvait chef d'orchestre quand il est tout petit aux côtés de sa maman. Ma mère était chanteuse à l'opéra et j'imitais le chef d'orchestre. J'avais des spaghettis qui imitaient la baguette du chef d'orchestre. Et j'imitais ses mouvements. C'est ce qui m'a donné plus tard l'envie d'être vraiment compositeur. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Oh, j'avais 4-5 ans. Wow. Et voilà, l'histoire d'une vie à partir d'un spaghetti avant cuisson. J'ai les deux coffrets pour vous. Yes. Ah, c'est génial. J'allais le piquer. C'est lent. Tu me donnes merci. 50 ans de top. Cinéma. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Pierre. Elle s'appelle Fleurette, elle a 98 ans. Elle a connu la fin d'un siècle et le début d'un nouveau. Elle a vécu 1000 vies. Sténodactylo, devenue maître de conférences, puis professeur d'anglais à l'université. Militante du mouvement mondial pour la paix. Elle qui, adolescente, a vécu l'occupation allemande et a dû porter l'étoile jaune. Prendre le métro, oui, mais dans le dernier wagon. Toujours avec, évidemment, l'étoile jaune extrêmement, tout à fait ostensible. Nous n'avions le droit de faire des courses alimentaires que de 11h à midi. J'allais donc à l'épicerie du coin faire mes emplettes. Les gens baissaient les yeux. C'est comme si j'avais été un personnage difforme. Les gens avaient honte. Personne ne m'a jamais montré la moindre sympathie dans la rue. Elle est bien, là. Fleurette Avranek est l'une des 36 témoins, 18 femmes, 18 hommes, du formidable film documentaire simplement intitulé Les Vieux, mercredi prochain en salle. Un road trip signé Klaus Drexel à travers la France des seniors pour donner la parole à ceux dont on entend rarement la voix. Je suis née en 20, plus de 100 ans. Voyez un peu. Vous voulez savoir si on fait l'amour tous les jours? Oh bah. Chacun à sa place, jusqu'au dernier souffle. On a encore des choses à donner, des choses à faire, bien que d'être écouté. Mon père part un matin pour travailler et ne revient jamais. Ça a été la première rafle des Juifs. J'avais envisagé de donner mes organes à la science. Mais au bout d'un certain temps, mes organes, ils sont plus beaux. Coucher 40 non, femmes. Non, soigner. Sois pas sourde, hein, maintenant t'es pas sourde. L'essentiel, c'est ce qu'on sait, les souvenirs. Nous, c'était le petit bal du samedi soir. La noblesse est finie. C'était du tour des rois. Qu'est-ce que ça a à voir maintenant? Non, on a beaucoup souffert à la mine. Moi, beaucoup de choses à raconter. On n'entend plus rien. Donc, ça permet de dire plein de conneries. Mon père était maire comédiste de Douarnenez et mon beau-père était gaulliste. T'as pas de sonotone, t'es pas comme Josette. Je vais ouvrir en hurlant. Bonsoir Fleurette Avranek.
Bonsoir Fleurette. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous aux côtés de Klaus Drexel. On est ravis de vous avoir tous les deux à l'occasion de ce film dans lequel vous avez choisi, Klaus, de donner la parole à des Françaises et des Français nés avant 1939. Oui. Les plus jeunes des héros de ce documentaire ont 80 ans, la doyenne a 102 ans. Autant de Français, vous l'ignoriez, auxquels la société française, le cinéma, la télévision donnent rarement la parole. À tel point, Fleurette, que vous étiez surprise qu'on vous invite ce soir à parler du film sur le plateau de C'est à vous. Ah oui, oui. Mais pourquoi? qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Vieillir. Finalement, la raison de ma venue, c'est mon âge très avancé. Et bien, parfois, j'accepte, j'assume. Il n'y a pas d'âge pour démarrer une carrière de vedette de cinéma. Dans votre documentaire, Klaus, dans l'ensemble de vos documentaires, vous avez toujours prêté attention à ceux qui sont au bord du monde. Oui. Les travailleurs du sexe, les sans-abri, les seniors aujourd'hui. Parce que quand on est vieux en France, parfois on est au bord du monde aussi, d'une certaine façon. Ben, je trouve, complètement. Et ce qui m'a vraiment donné envie de faire ce film aussi, c'est qu'on parle beaucoup, finalement, dans le débat public, des personnes âgées. Souvent, on en parle comme un problème. Les EHPAD, on ne sait pas comment, on sait pas quoi en faire. Et je trouve que ça terrible, en fait, déjà d'avoir cet avis négatif sur les personnes âgées. Et en plus, on en parle beaucoup, mais on n'entend jamais leur voix. Et donc, l'idée de ce film, c'était vraiment de faire un tour de France des anciens, d'aller un peu dans toutes les régions et d'aller voir, en fait, les anciens, ceux qui ont fait l'histoire de la France, en fait, dans toute leur diversité sociale, culturelle, ethnique. Et grâce à votre ostéopathe, vous entendez oui. parler de Fleurette. Fleurette, vous êtes... Tout ça pour une histoire de pouce. Vous vivez toujours dans votre appartement parisien. Vous êtes passionné de musique. Dès que vous pouvez, vous allez à la Philharmonie de Paris pour oui, assister oui. à des concerts. Et vous dites à Klaus, dans le film, à quel point vous vous sentez jeune. Oui. Dans la tête. La même tête, si... oui, si elle pouvait rester. Et vous tapez des pieds pour le dire. Et tout ce que je ne vais pas découvrir, en plus, il se passe des choses tellement extraordinaires. Et oui, et je vais les manquer. Mais bon, la place aux autres. Ma formule, c'est, a toujours été, les autres existent. Mmh. Vous vivez voilà. toujours aussi intensément, malgré les années, à tel point que vous dites très joliment à Klaus que vous allez mourir, mais en hurlant. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est refusé, finalement. C'est refusé, parce que tant de choses à voir, tant de choses à entendre, des amis, il en reste quand même. Parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis bien plus jeunes et quitter, évidemment, c'est un déchirement, mais il faut obéir à la loi. L'énergie de Fleurette est formidable. Et le parcours de Fleurette est particulièrement touchant, puisque vos parents ont été raflés pendant la guerre et que Fleurette a vécu une partie de sa vie, partie de l'occupation seule dans cet appartement. Et d'une façon particulière, en relégué, hein, en dernière zone. Je ne sais pas si j'avais mentionné que quand je prenais le métro, il fallait seulement aller dans le dernier wagon. Oui, oui, je ne sais pas si j'avais dit c'était ça. Oui, j'avais dit. Oui. Et c'était rare. Et puis, cette étoile, je ne crois pas. Si peut-être que je l'ai dit, une seule personne, le jour où je suis, après avoir rendu ma radio, c'est-à-dire ma musique, c'est-à-dire ma vie, et une seule personne m'a salué le jour même de l'étoile jaune. Une seule personne. Les autres ont détourné les regards, comme moi je détourne le regard des mendiants. Oui, j'ai connu ça et c'est triste. Oui. Mais vous avez toujours rayonné, toujours travaillé, élevé seul vos deux fils, c'est le cas aussi de Jacqueline, extrêmement fière de vous expliquer et d'expliquer à son amie qui s'appelle Yéyette, c'est le diminutif d'Henriette, dont elle partage le quotidien dans une résidence de personnes âgées, qu'elle dirigeait une équipe de 40 infirmières. Je vois les infirmières qui sont toujours en train de dire « on fait grève, on n'est pas assez nombreuses ». Moi, j'avais 40 bonnes femmes. Avec 40 bonnes femmes de tout âge. 40 enfants ? 40 femmes.
J'avais juré que jamais plus je rentrerais dans un service de femme. Vous pouvez pas vous imaginer ce que c'est. T'as accouché 40 non. femmes. Non, soigné à Montfaucon, 40. 20 d'un côté, 20 de l'autre. Des hommes-femmes ? Non, des femmes. Sois pas sourde, hein, maintenant, t'es pas sourde. Ah bon, mais je comprenais mal. Tu comprends mal ? C'est pas grave. T'as pas de sonotone. T'es pas comme Josette, la cousine. Elle a les lunettes, le sonotone et le dentier. Eh bien, j'ai dit, dis donc, quand t'as tout sorti, reste pas grand-chose. Hein. Ah, c'est merveilleux. Pas possible, c'est un sketch. Vous avez fait non, c'était spontané. Elles en ont fait plein d'autres. Alors malheureusement, dans le film, on a plein de personnages comme ça. Ouais. Donc on ne peut pas tout mettre, mais elles ont raconté par exemple aussi que maintenant, pour se marier, toutes leurs copines étaient au cimetière. Donc elles vont au cimetière et devant les tombes, elles se marrent à raconter des blagues à leurs copines six pieds sous terre. Autre personnage de votre film, René Baugé, il a 92 ans et il aborde quelque chose qui est... important dont il est important de parler, la question de la solitude des personnes âgées et de leur détresse. Depuis sa maison de retraite d'Alsace, il insiste sur l'importance d'être entouré et l'abnégation de celles et ceux qui travaillent en EHPAD et en maison de retraite et qui ont aussi à gérer leurs propres problèmes domestiques. Regardez. Les jeunes soignantes ou les femmes de ménage ou ceux qui font la popote, quand ils ont quitté ici où ils sont avec des vieux toute la journée, qui sont plus ou moins grognons. Bon, j'ai la chance d'avoir ma tête, moi. Mais il y en a qui sont pas comme ça. Mais ils rentrent chez eux. Et alors, chez eux, il y a le mari. Il y a les gamins. Il y a les problèmes, en ce moment, que tout augmente. Alors moi, je les admire, ces gens-là qui font ce métier-là, voyez-vous, qui prennent soin des vieux. Parce que moi, toutes ces gamines que j'ai là, c'est mes petites filles, je dis, voyez-vous. Je trouve ça terriblement émouvant. Ouais. Terriblement émouvant. Ce monsieur se projette et s'intéresse au sort de celles et ceux qui prennent soin des plus âgés. C'est formidable. Exactement. Parce qu'en plus, c'est vrai que, et heureusement, on a parlé de tous les problèmes qu'il y a pu avoir dans les établissements. Donc ça, c'était indispensable. Mais je pense qu'il faut penser aussi à toutes ces personnes, en fait, qui s'en occupent au quotidien, dans un monde qui est déjà dur pour tout le monde. Et voilà, donc je trouve que cet hommage est magnifique, parce qu'il dit que toutes ces filles, c'est un peu comme ces petites filles, enfin, ces dames qui s'occupent de lui. Et c'est extrêmement touchant. Ils sont pas seuls, parce que voilà, ce dont je me suis vraiment rendu compte en faisant ce film, que le grand problème, c'est la solitude, en fait, des personnes âgées. Et donc, ceux et celles qui n'ont plus de famille, en fait, il leur reste ces personnes qui s'occupent d'eux au quotidien, et ça, c'est vraiment essentiel. Or, pour bien vieillir, les relations sociales, Michel, sont indispensables. Ouais, ça a été prouvé même par des études qui ont montré, des études scientifiques très sérieuses, qui ont montré que les personnes qui avaient peu de relations sociales, qui étaient en solitaire, qui ne parlaient pas, qui ne communiquaient pas avec d'autres, qui ne bougeaient pas souvent de chez elles, faisaient beaucoup plus souvent les maladies neurodégénératives et beaucoup plus précocement, comme la maladie d'Alzheimer, alors qu'avoir des relations sociales, sortir, faire de l'activité physique avec des groupes, fait qu'on parle, et le cerveau, il travaille. Et donc, la maladie d'Alzheimer, si elle doit arriver, arrive plus tard. D'où ma longévité. D'où votre longévité. Et il est aussi question d'amour dans votre documentaire. C'est toujours une image forte de voir deux personnes qui vieillissent ensemble et qui continuent de plaisanter, de se parler après des dizaines et des dizaines d'années. C'est le cas de Gabriel et Jean Pencalette, un couple que vous avez rencontré, Klaus, à Douarnenez. Ils ne savaient pas danser et quand on allait au bal. Mais bon, mais alors c'était plus sympa aussi. Il y avait le petit bal du samedi soir quand on faisait. En minuit, on quand on faisait les slows sur Onliou, c'était chouette minuit, aussi. En minuit, on rentrait maintenant. En minuit, c'est allait, pas. On n'avait pas, pas, on avait pas besoin des. Comment ils s'appellent ça? Les sites de rencontre, alors. Hein. Nous, c'était le petit bal du samedi soir. Ouais, elle a fait de la gym. Fleurette, vous avez connu l'amour, mais vous avez aussi connu les difficultés quand. L'amour connaît des problèmes lorsque vous avez dû élever, avec le départ de votre mari, vos deux fils toutes seules et vous étiez là une sacrée combattante. Mais c'est là que j'ai repris mes études. Eh oui. À 42 ans. Dans cette merveilleuse année de 68, où au moment de passer les examens, tout s'arrête. Et moi qui avais démissionné de mon travail pour pouvoir mieux me concentrer sur la préparation, et je me retrouve les mains vides. Et j'ai écrit une lettre déchirante. J'ai même exagéré, je dois le dire. Et il y avait donc un conseil qui devait décider
de qui aurait le droit de se présenter aux examens. Et il n'y avait que 30 étudiants qui seraient élus. Et j'ai réussi à être parmi ceux-là. Votre lettre était très forte. Oui, mais je m'ai exagéré. J'ai une petite touche. Michel me demandait de rappeler votre âge. 98 ans, et vous lui confiez à l'oreille que vous aviez fait beaucoup de sport. Oui, ah oui. J'ai fait de la gymnastique toute ma vie. Voilà, ça et aussi. Il n'y a pas que la relation sociale, l'activité physique. Je sais si on se bat avec les jeux pour faire comprendre. Une vie sociale. Très riche. Et la musique, que demander de plus si ce n'est duré plus longtemps. Et je pense que vous êtes notre doyenne à C'est à vous. Vous coiffez de peu Judith Magre, qu'on a reçue il y a quelques mois ici. Oh, bon. 97 ans. Ah, ah. Mais une petite jeunette, voilà, à vos côtés. Eh bien, on prend les honneurs qu'on peut. Voilà, on est ravis de vous accueillir et on embrasse Judith Magre. Voilà, c'est un film qui parle de la vieillesse, mais qui s'adresse aux jeunes. Je sais que c'est votre rêve, Klaus, que ce film attire les plus jeunes. C'était le cas au moment de l'avant-première, il me semble, le 5 avril. Il y avait beaucoup de jeunes dans la salle et c'est votre grand espoir que ce film qui sort la semaine prochaine attire les jeunes parce que c'est un film qui peut les éclairer, les aider. Mais c'est vrai. Mais c'est pas une idée que j'avais au départ. Mais en voyant le film et en voyant la réaction des spectateurs, des jeunes spectateurs, je me suis dit, il y en a plein qui m'ont dit, mais en fait, moi j'ai mon grand-père qui est en EHPAD et je savais plus comment parler avec lui. Et le film m'a donné des clés pour reconnecter. Et quelqu'un m'a dit, et c'est drôle, que les vieux ont été jeunes, mais les jeunes n'ont pas encore été vieux. Et donc, je trouve que bien c'est. Bien sûr. Voilà. Non, c'est une lapalissade, c'est bon de le rappeler. C'est marrant. Hein, voilà, je trouve que c'est. Enfin, moi, mon rêve, effectivement, c'est que le film soit peut-être l'occasion aussi d'une sortie au cinéma en famille, où on va au cinéma, les grands-parents avec les petits-enfants. On va dîner ensemble ensuite, on parle du film, de la famille. Et ça nous a permis de recevoir Fleurette ce soir sur le plateau de C'est à vous. Et on va passer à table, chère Fleurette. Mais d'abord, une question. Quel est le point commun entre Maria Carré, Guillaume Canet, Emmanuel Béart, Georges Clooney ou Madonna? Eh bien, tous ont confié avoir du mal à s'endormir, voire à être insomniaques. 30% de Français souffrent de troubles du sommeil. C'est le cas d'Annick, Valentin et Pascal qui ont accepté de suivre pour vous devant les magazines, devant les caméras du magazine Prenez Soin de Vous, un programme sur mesure concocté par des experts, des coprogrammes notamment. C'est votre combat. L'activité physique clé d'un sommeil de qualité. Comme 30% des Français, tous trois dorment très mal. Annick. J'ai l'impression d'être une personne malade, une personne qui a besoin d'une béquille pour vivre. Valentin. J'ai l'impression que dormir me fait perdre du temps. Et Pascal. Bonsoir, je suis l'infirmière de Annie. Il faut prendre soin de soi parce que je sais que sinon je ne durerai pas. Heureusement, j'ai pour eux une solution 100% naturelle. Une bonne hygiène de vie et de l'activité physique. Oh ah, c'est rouillé, hein? J'ai jamais fait ça. En cette année olympique, je vais les mettre au défi. Ils vont s'initier à l'athlétisme aux côtés d'un champion olympique, Jean Galfion. Ouais. Tout en forme olympique. Mais où il est le chef Fleurette, Michel, Klaus, bienvenue à la table de C'est à vous pour y déguster un cassoulet de haricots multicolores préparé pour vous par Julien Perrard, le chef du restaurant La Petite Table, c'est dans l'Hérault. Ce qui est frappant, Michel, quand on regarde ce numéro de Prenez Soin de Vous, c'est quel que soit le type d'insomnie dont on souffre, l'activité physique régulière, ça reste la solution numéro un. Mais c'est. Alors, je suis un peu obsessionnel avec ça, à cause des Jeux Olympiques. Ça guérit tout. En tant qu'ambassadeur santé de Paris 2024, je suis obligé, mais. L'activité physique, c'est le médicament universel. Vraiment, pour tout. Absolument tout. On n'arrête pas de répéter, j'arrête pas de répéter partout dans les médias tous les bienfaits de l'activité physique. Mais puisque c'est une émission qui est consacrée au sommeil, on a montré. Il y a d'autres choses dans l'émission, il y a l'alimentation, il y a la sophrologie, il y a d'autres choses qui sont adaptées à chaque cas parce que tous les insomniaques sont différents les uns des autres. Mais le point commun, c'est l'activité physique qui, pour des raisons qu'on explique dans l'émission, va vous permettre d'avoir un meilleur sommeil lent profond. Et cette phase du sommeil lent profond, c'est celle où on récupère. Meilleure est cette phase-là et meilleure sera votre récupération et moins vous serez fatigué. On passe un tiers de notre vie au lit, mais on dort de moins en moins et de moins en moins bien. Comment ça s'explique ?
Ça s'explique par la société, par le stress de la vie perme de la ville, le temps qu'on passe dans les transports, la nécessité de se lever tôt parce que les enfants, parce que tout est très compliqué aujourd'hui et qu'on vit plus au rythme du soleil. Normalement, il faut au minimum 7 heures de sommeil par nuit et les Français ont perdu une heure en quelques décennies parce qu'on ne peut plus et puis parce que le stress, non seulement la vie en société aujourd'hui vous oblige à raccourcir votre temps de sommeil, mais que le stress qui est généré par cette vie en société aujourd'hui vous empêche de vous endormir comme il faudrait et de passer une nuit sereine. Donc c'est tout un ensemble de choses. Et je ne vous parle pas des écrans. Ah. Les écrans que nous sommes tous à regarder en se couchant pour voir si on n'a pas eu un dernier message, ou pour voir les notifications parce qu'il y a des nouvelles, des actus ou des infos tout le temps. Et ça, quand vous regardez, en plus, on ne peut pas dire que les infos aujourd'hui, en ce moment, soient particulièrement sympas, à part la victoire du PSG, bien évidemment. Mais, qu'on a célébré dignement, oui. Oui, bah, je m'en doute. Mais quand vous regardez les infos, que vous endormez avec Gaza, que vous endormez avec l'Ukraine, comment voulez-vous que votre cerveau se calme pour vous endormir? Non, vous partez avec du stress déjà pour votre nuit. Est-ce que vous expliquez bien dans l'émission aussi, c'est le piège des somnifères. Un tiers des plus de 65 ans en consomment régulièrement. Certains s'enferment dans ce que vous appelez, ce que beaucoup appellent une sorte de camisole chimique dont il est difficile de se libérer et qu'on comprend parfaitement pourquoi avec cette séquence. Les somnifères augmentent l'effet de messagers chimiques dans le cerveau. On les appelle GABA. Leur rôle, transmettre des informations et réguler les émotions. Avec un somnifère, la transmission nerveuse est ralentie, ce qui entraîne une relaxation musculaire et une diminution de la nervosité. Le problème, c'est qu'avec le temps, ces neurotransmetteurs répondent moins bien à l'action des somnifères. Au bout de plusieurs semaines d'utilisation, finalement, ça va être comme un pansement sur une jambe de bois. Vous aurez beau en prendre, ça ne traitera plus la source de votre problème du sommeil. Donc les gens augmentent les doses. Oui, et alors non seulement il y a cet effet qu'on explique est un effet physiologique sur les neurotransmetteurs dans le cerveau, mais c'est aussi un effet psychologique, c'est-à-dire que quelqu'un qui prend des somnifères depuis des années, s'il ne le prend pas, il va déjà tellement gamberger. Il développe de l'anxiété. En se couchant, il va se dire « mais je ne vais jamais m'endormir ». Et donc c'est comme le type qui marche avec une béquille parce qu'il s'est fait une douleur et qu'il n'a jamais sa béquille. Vous lui lâchez la béquille, il tombe. Donc c'est pareil, et il y a une accoutumance, une addiction à la fois physique et psychologique aux somnifères, et ça c'est une catastrophe, parce que je vous ai dit tout à l'heure que chacun avait son insomnie. Il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi on est insomniaque, avant de faire ce qui est le plus facile à faire, aller chez le médecin, prendre un somnifère, et puis s'endormir, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile que d'aller chercher les raisons pour lesquelles on est insomniaque. Mais justement, il y a un médecin spécialiste du sommeil qui a une technique pour réussir à s'endormir en quelques secondes sans aucune aide extérieure. C'est une technique qu'emploient notamment les navigateurs pour leur micro-sieste pendant les régates. Sa technique, la respiration au carré. L'idée, parcourir mentalement un carré en alternant respiration et apnée. Je souffle 4 secondes. Stop. Deuxième côté du carré, je ne respire pas. J'inspire 4 secondes. Stop. Quatrième côté du carré, je ne respire pas. Je relâche. Et je continue à mon propre rythme. C'est marrant parce que vous étiez en train de le faire. Oui, j'essaie de le faire. Je suis sûr que la plupart des téléspectateurs vont faire exactement la même chose au même moment, essayer de voir ce que ça donne. Ils vont tous s'endormir devant la télé. Mais je ne me suis pas endormie. Non, mais au moins, ils n'ont pas. Oui, si, du moment qu'ils n'éteignent pas la télé. C'est imparable, vous dites, cette technique. Ça marche. Bah, c'est imparable. C'est-à-dire que c'est une des techniques, notamment par les skippers, qui est utilisée. Mais c'est un peu le même principe que la cohérence cardiaque. Quand on vous explique qu'il faut faire des respirations, 6 respirations par minute en inspirant, en expirant pour ralentir le rythme cardiaque. Là, quand vous faites ça, c'est pareil. Vous ralentissez votre rythme, votre métabolisme, vous ralentissez votre rythme cardiaque parce que vous stimulez des nerfs qui vont ralentir un peu le tout. Et que quand on veut s'endormir, il faut non seulement se relaxer, mais il faut aussi avoir une température corporelle qui va diminuer en général d'un demi-degré. Et on explique bien dans l'émission, et un spécialiste de l'INSEP nous l'explique, qu'il ne faut pas, par exemple,
faire du sport avant d'aller se coucher. Oh. Parce que le sport fait bouger vos muscles, produit de la chaleur, la température corporelle augmente, et c'est ce qui fait que vous ne vous endormez pas. Et c'est pour ça que je vous dis que les somnifères, ce n'est pas la solution. Parce que si on interroge les gens qui sont insomniaques, et je pense que cette émission va les aider à mettre le doigt sur leurs problèmes, ils verront qu'il y a beaucoup d'erreurs en termes d'hygiène de vie qui entraînent ces difficultés de sommeil, et que parfois... Corriger rapidement. Oui, mais... Moi, j'ai vu des gens qui me disaient j'arrive pas à dormir, et ils prenaient 4 cafés après 17 heures. Après, il ne faut pas s'étonner. Alors, il dit, mais non, le café, ça ne me fait rien. Mais si, le café, ça fait comme ça fait à tout le monde. Ou qui buvaient des sodas, du coca, parce qu'il y a de la caféine dedans. Donc, il y a plein de gens qui font des erreurs comme ça, ou qui prennent, par exemple, un bain chaud avant de se coucher. Oui, vous faites monter la température. Donc, ou qui dorment dans des chambres trop chaudes. Ça aussi. La technique des micro-siestes est souvent appliquée par des femmes et des hommes politiques. Et l'été dernier, sur votre chaîne YouTube Dr Good, vous avez évoqué les mini-siestes avec François Hollande, les mini-siestes de récupération, en évoquant avec lui les fameux sommets entre dirigeants, les sommets marathon. Il y a eu une petite anecdote. Donc, il était déjà tard dans la matinée. On ne s'était pas lavé. Nous étions dans ce palais présidentiel où rien n'avait été prévu précisément parce qu'on ne pensait pas y passer la nuit. Et on cherchait Vladimir Poutine lors d'une pause. Et en fait, on découvre qu'il avait, lui, une chambre, une salle de bain et qu'il était nettoyé de frais. Les conditions du jeu n'étaient pas forcément équilibrées. Eh oui, la fatigue, c'est une arme. La fatigue, c'est une arme, et les micro-siestes, c'est vraiment une très très bonne solution. Alors, ça demande un peu de préparation, un peu d'entraînement. Moi, je fais des micro-siestes régulièrement, qui vont entre 7 minutes et un quart d'heure. Voilà. Il ne faut pas dépasser, parce qu'après, vous tombez dans un sommeil profond qui fait que vous êtes un peu... Pierre est le roi des micro-siestes, mais des micro-siestes élégantes. On peut s'endormir mochement. Voilà. Non, Pierre, il s'endort toujours élégamment. Oui. Alors, Florette, comment verrez-vous la durée de micro-siestes ? Alors, moi, j'ai un... j'ai un entraînement, parce que j'ai un rituel. Il faut qu'il y ait un rituel pour les micro-siestes. Moi, par exemple, je me couche, je regarde ma montre. Je veux savoir à quelle heure j'ai fermé les yeux. Parce que quand je vais me réveiller 7 ou 10 minutes plus tard, je vais immédiatement regarder ma montre. Mais on ne met pas de réveil ? Non, je ne mets pas de réveil. Je me réveille au bout de 10 minutes après un entraînement et je regarde ma montre pour vérifier que j'ai bien... Je suis parti pendant 10 minutes. Parce que sinon, si vous ne regardez pas, vous ne savez pas. J'ai dormi, pas dormi. Parce qu'en 10 minutes, vous ne vous endormez pas profondément. Donc, vous avez l'impression de ne pas avoir dormi. Donc, il faut bien s'apercevoir, prendre conscience que pendant 10 minutes, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et là, je me lève. Parce que sinon, si vous restez, vous vous dites, oh là là, je repars sur 10 minutes. Mais c'est un entraînement et tout le monde peut le faire. Il faut juste s'entraîner en fermant les yeux, en pensant à quelque chose, à un endroit. Si vous faites du bateau, vous aimez bien la mer, vous fermez les yeux. Mais il faut qu'on ait un rituel d'endormissement à chaque fois qu'on fait une micro-sieste. Et surtout, et moi, je suis capable de vous en faire 10 dans la journée. Là. Ah ouais, ouais. Bon, avant la micro-sieste, là, en vraiment quelques secondes, Michel, parce qu'on manque de temps, un mot sur l'arrêt du magazine de la santé dont vous avez présenté la première aux côtés de Marina Carradenco, c'était en 1999, c'est une décision qu'après France Télévisions avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, mais vous avez un projet, la création d'une chaîne qui s'appellerait Santé avec Marina, en quelques mots. C'est mon frère qui a ce projet, qui nous a demandé effectivement si on voulait bien s'y associer. Pour l'instant, c'est qu'un projet, il y a un tour de table, il cherche des investisseurs. Pour l'instant, c'est un projet. L'arrêt du magazine de la santé, oui, je suis très en colère. Marina aussi est très en colère parce qu'on est une victime collatérale d'une guerre entre l'actionnaire majoritaire de la maison de production, qui est TF1, et France Télévisions, parce qu'il y a une plainte de TF1 contre France Télévisions. France Télévisions a réagi, je ne vais pas prendre position, savoir s'ils ont bien fait ou pas, mais en supprimant quelques productions, dont le magazine de la santé. 500 000 de téléspectateurs sur France 5 tous les jours. Je ne suis pas sûr que les audiences... Voilà. Et surtout, il n'y aura plus d'émissions médicales de santé à la télé, régulières, alors que c'est le deuxième point le plus important souligné par les Français après le pouvoir d'achat. Et pour lutter contre les fake news, il n'y aura plus le magazine de la santé, et ça, je trouve ça dramatique. Oh,
Bon, en attendant, quel cauchemar. Michel, vous êtes évidemment toujours le bienvenu autour de la table. Voilà, si vous avez besoin d'un chroniqueur, je suis volontiers. On conclut cette émission. Donc, je rappelle que prenez soin de vous, votre sommeil en forme olympique. C'est mardi prochain à 21h05 sur France 5, où on continue de parler quand même de santé et de santé correctement. On conclut cette émission avec les actualités de Bertrand. Pendant que Patrick a fini ses haricots. Bonsoir, nous sommes le 18 avril. Voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. Hey, on est journaliste, mais yo les jeunes, on est quand même encore jeunes dans nos têtes. C'est Jules. Alexandre est prêt, il va acheter sur le signe de Jules. On passe à la chronique science avec une autre forme de communication. Le avant-après de la semaine sur BFM. Regardez, on vous a fait une photo avant-après de ce bâtiment. Voilà, on devine le bâtiment. Voilà, derrière le bandeau. Oui, derrière le bandeau, vraiment. Kim Jong-un a pris une taille en dessous pour sa veste en sky. Et on revient à Jules, on a oublié un signe. Ségolène, moi je trouve que vous l'avez bien. Hein, le hasta la Louis-Gaulle, je faisais bien quand même. Ouais. Ouais, attention, chair de poule en 3, 2, 1, chair de poule. Personne peut nous canaliser. Ça fume la fumée, la pistée par les banalisés. Hasta luego faisant 1, hasta luego faisant 2, hasta luego ou hasta luego. Oh là là. Ah ouais. C'est quand même. Ah oui, là, vraiment. On mène la politique. Hein. Oui. Et les poils. À la une de ce jeudi. Hey, quoi ? Vous savez pas ce qui se passait hier ? Nous sommes à 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. Il reste 100 jours. À J-100. J-100. Les J-100, c'est important. Le décompte est lancé. J-100, c'est vrai. Ça aussi, c'est les J-100. J-100. Il reste encore 100 jours. Nous sommes à 100 jours des Jeux Olympiques. On est à J-100. Enfin, J-100, et aujourd'hui nous sommes à... J-90. Ouais, c'est super, ouais. Balèze. Parmi les personnalités présentes hier, l'ancien handballeur Guillaume Gilles, qui a une petite réputation que j'ai découvert hier, celle de ne pas être le dernier à aller en soirée. Ils n'ont pas trop insisté là-dessus. Alors Guillaume, vous êtes un habitué du Club France, vous. Hein, vous êtes celui qui a eu le plus testé et approuvé, on peut dire, les Clubs France. Vous en avez fait des fêtes, et des fêtes qui sont terminées très très tard, notamment. Il y a certains souvenirs qui sont flous de vous dans certains Clubs France. Guillaume, c'est nul doute que le Club France sera hors norme par rapport à ce que vous avez pu connaître lors des Olympiades précédentes, ou par rapport à ce dont vous vous souvenez, en tout cas, peut-être, Guillaume. Voilà, vous les trouvez lourds, attendez la suite. Vous en avez parlé, il y aura des soirées et pour pouvoir célébrer les performances paralympiques. Il y aura des soirées. Il y aura des artistes qui auront pourra venir ou pas. Il y aura des soirées, mon Guigui, hein, tu pourras encore te la coller et te rappeler de rien de la veille. Cet événement était aussi l'occasion d'en savoir plus sur les processus de recrutement des équipes. Bah, c'est comme pour la cérémonie d'ouverture, si vous voulez, il y a le plan A et si ça ne fonctionne pas, il y a des plans B, C, D, H. Le CNESF et le CPSF nous ont proposé à Jackson et moi d'être chef de mission. Alors on s'est appelé et on s'est dit, écoute, chef de mission, dans le souvenir que j'ai, c'est un métier qui n'est pas du tout fait pour nous. Voilà, Fabien Lévesque avait nettoyé sa tablette avec une tranche de jambon. L'objectif commun d'être dans les 5 premières nations. Pas efficace. On en sait enfin plus sur la cérémonie d'ouverture grâce au brave roi Thomas Joly. Qui sort régulièrement, on ne confirme et on n'infirme rien, c'est ça qui est chouette. D'accord. Du coup, on ne sait pas. Voilà, et le responsable ambiance a l'air pas mal calé aussi. L'ambiance par-delà. C'est incroyable, le clapping et autre chose, et la vague, etc. Oui, la vague, évidemment, la vague qui met une ambiance folle dans les stades. Je pense qu'il voulait parler de Ola. Alors, il y a la Ola, vous venez de l'entendre. Vous êtes salaud avec lui parce que Romain est un mec génial. Ah, mais je n'ai jamais dit ni pensé le contraire. Non, je le défends. Ben oui, juste qu'il avait pris un mot pour un autre. Oui, voilà. Après, moi, vraiment, je fais beaucoup de mousse avec très peu de savon. Il y a donc le Aola et le clapping. Et ben pour le clapping encore, je pense qu'ils avaient un plan A, mais qu'ils n'étaient pas dispo. Je peux me faire un petit kiff avant de partir ? Tout est permis, Théo. La scène est à vous. J'aimerais lancer un clapping, d'accord ? Oui, mais il a fait exprès. Théo Curin, qui est médaille d'or de l'autodérision, on l'a vu plusieurs fois sur ce plateau, et qui a lancé un clapping hier. Donc bravo à lui, voilà. Ah. C'est tout. Oui, ah oui, non, mais je aussi, je.
Mais il a précisé, parce que j'y étais, il a précisé que c'était clapping avec le mec qui avait les bras les plus courts du monde. Mais il a une autodérision folle, Théo. Dans le reste de l'actualité, tout à l'heure, vous receviez Roselyne Bachelot, qui est ex-ministre de la Santé, mais elle n'est pas la seule à avoir occupé ce poste. Xavier Bertrand aussi, et il était ravi qu'on le lui rappelle. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent que vous avez été ministre de la Santé, Xavier Bertrand. Merci. Merci de le rappeler, Xavier Bertrand, qui pour son interview matinale sur BFM recevait ce matin Néla Latrousse. 5 euros. Ça vous la consultation d'un généraliste est à 26,50. Oui. Vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage? Qu'elle devrait être plus importante, cette taxe lapin? Mais attendez, il est au pouvoir ou pas? Vous avez un enfant en bas âge? Moi, c'est aussi mon cas. C'est mon cas aussi. Mais attendez, on parle de la santé un court instant? On en parle. Ce soir, vous allez l'interpeller sur les questions de santé? C'est-à-dire? C'est-à-dire, normalement, c'est moi qui pose les questions, Monsieur Bertrand. Parmi les sujets évoqués, les 100 jours de Gabriel Attal à Matignon. Et pour célébrer ça, celui qui est persuadé de vivre dans un épisode de House of Cards avait apporté un gâteau au caca. Est-ce que c'est un bon Premier ministre, Gabriel Attal? Bah, posez la question aux Français, vous aurez la réponse. Ça fait un moment justement que je propose à l'État. Mais bien évidemment, les discours leur suffisent. Marre des discours, marre des grandes déclarations. Il nous faut des actes. Je pense qu'au gouvernement, ils ont renoncé à changer la vie des Français. Ils trouvent Gabriel Attal compétent, dynamique, audacieux, courageux et sympathique. Est-ce que vous efficace, aussi, vous lui trouvez ces qualités? Efficace à combien de pourcents? C'est marrant parce que sur les fins de phrase, on sent qu'il a envie de balancer une insulte, mais qu'il se retient. Et il ne le fait pas. Un entretien qui m'a donné une furieuse envie de vivre dans les Hauts-de-France, parce qu'ils ont une chance là-bas. La région est gérée par Superman. Dans ma région, qu'est-ce qui touche les classes moyennes? Le pouvoir d'achat. Oui. J'aide ceux qui prennent leur voiture pour aller travailler. J'aide les classes moyennes, notamment quand les enfants doivent passer le permis de conduire. Oui. Je les aide. Et j'aide les classes moyennes, c'est-à-dire celles et ceux qui travaillent. J'aide aussi pour la garde d'enfants. Il garde même les enfants. Hein. Il sait tout faire. Quel homme. Mais il reste... Je pense que oui. Il reste un poil en dessous de l'idole de l'ABC, Chris Bêche. Christophe Béchu, qui était invité d'une réunion au public sur le changement climatique. Et même quand il signe des papelards, il est BG. Ouais, je suis là pour signer les papiers. Vous n'avez pas de stylo, c'est pas grave, j'en ai 12. Tiens. Non, t'emmerde pas, moi j'ai le mien dans la poche. Allez, on fait la photo. Allez, le petit smile de beau gosse. Salut les gars. Ah, je l'aime. Chris Bêche, qui, vous le savez, n'aime pas perdre de temps. C'est pourquoi il use et abuse des abréviations, acronymes et des apocopes. Ce matin, il voulait donc encore gagner du temps, mais il a tellement pris de temps pour l'expliquer qu'il voulait gagner du temps qu'au final, il en a perdu. Trois mots très rapides. L'enjeu n'étant pas, évidemment, de transformer une prise de parole introductive, ni en un moyen de vous spoiler sur la suite, même si je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas trop de doutes sur ce qu'ils sont venus faire ce matin à l'hôtel de Roquelaure, sur le thème que nous allons évoquer, sur les éventuelles perspectives qui pourraient en découler. Adaptation. Voilà. Il voulait gagner du temps. Et puis, des nouvelles de l'autre passion de Chris Bêche après le pento, les maths. Voici une masterclass de justification. Le budget du fonds vert devait passer de 2 milliards en 2023 à 2 milliards et demi cette année, mais comme Bercy doit faire 10 milliards d'économies, il reste à 2 milliards. Attention Chris, c'est à toi mon champion. Un contexte budgétaire que chacun connaît a conduit non pas à diminuer le fonds vert, mais à le laisser au niveau de 2023. Selon le moment où on compare, on peut dire qu'il est en baisse en mars par rapport à janvier. Et si je regarde par rapport à 2021 où il était de zéro, c'est quand même un effort complémentaire de l'État de 2 milliards qui a permis de doubler les concours aux collectivités territoriales. Ah oui. Et il n'y a pas à dire, mais il est vraiment trop fort. Un Christophe Béchu également fan de Johnny, puisqu'il a remixé l'un de ses plus grands tubes, Quelque chose de Tennessee. Quand on les connaît, je plaide pour que nous ayons tous un peu de Pas-de-Calais en nous. Ouais, on a tous un peu de Pas-de-Calais en nous, ça aurait beaucoup moins bien marché. On referme ces actualités avec Gérard Larcher, qui tenait absolument à garder l'attention de Sonia Mabrouk. Écoutez, regardez. Interview qui a permis également l'entrée d'un nouveau mot dans le petit Gérard. La commission d'enquête qui faisait... avec un certain délai. Elle faisait... On a frôlé le lapsus de l'année. Reconnais cet auto-censuré. Ouais, sinon il serait très souple. On adore son petit rire du matin, très enfantin. Il y a nos auditeurs. La question monsieur. Ne portait pas sur la sagesse. Oui. La question... Et il imite Christian Clavier quand il dit 2025. Le moment venu, dans l'examen du budget,
2025, messire. Bon, ouais. Et le printemps fait son petit effet sur Gérard. Oui, ce matin, le président du Sénat a parlé tel un pan. Un GG matin mutin. Merci Gérard Larcher. C'était merci votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1. Merci de m'avoir invité. Merci. Et Gérard, qui, comme le veut la tradition, s'était déplacé avec son fauteuil massant et il avait tellement besoin de se détendre que ce matin, il avait vraiment poussé le potard sur la force max. La décision sur la baïa est un produit. C'est parti du cheminement que je considère comme positif. Pour le Premier ministre, c'est en faux. Et au bout d'un moment, court-circuit. Hop là, voilà. Allez, l'info continue demain. Bonne soirée. Bravo, merci beaucoup à tous les trois. Il faut aller au cinéma mercredi prochain pour voir Les Vieux. Merci, cher Fleurette. C'était un honneur de faire votre connaissance et de vous accueillir à la table de C'est à vous, émission à laquelle vous êtes fidèle tous les soirs. Merci beaucoup. Michel Simès, c'est la semaine prochaine. Si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs, tout de suite sur France 5, la soirée science grand format de Mathieu Vidard, Terre, la vie cachée d'une planète. Excellente soirée. On se retrouve demain à 19h en direct. Ciao.